Okay, avec Harry Coppel, le vainqueur du saut à la perche ce soir dans l'Al d'Ornano avec 5,70 m, une belle performance quand même qui se passe pas souvent ici. So Harry, the win, you know, tonight, 5,70 m. What was your main goal when you come competing here in Normandy? Quel était votre objectif en venant sauter ici en Normandie, à Mondeville? For my first competition, I just wanted to come out and enjoy it. I've been a little bit ill this week leading up to this, so I was like, wasn't really sure where I was going to be at, but to come out and jump a centimetre under my personal best is just amazing. Yeah, the crowd here like helped me over. They've just been so supportive, and yeah, it's been such a good evening. Alors justement, je savais pas trop en quel état de forme j'allais être ce soir. J'étais un petit peu malade cette semaine, mais c'est ma première course de la saison, donc évidemment, je termine à 1 cm de mon record. Alors c'est très satisfaisant. Il faut dire évidemment que le public n'est pas pour rien parce qu'il m'a beaucoup aidé ce soir à franchir justement une barre à 5,70 m. So what can you expect for the rest of the season? Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour la suite de la saison? Well, my main goal is to get the Olympic qualifier of 5,80. I was hoping to attempt it today, but I've wasted a lot of jumps earlier in the comp, so I was just too tired and I didn't want to risk it. But I'm competing in France again next week in Rouen, so I'm looking forward to that. It's going to be an amazing meet, and yeah, I just can't wait to get out there again now. Alors, Harry qui sera justement au perché du Tour de Rouen la semaine prochaine et qui espérera atteindre une barre à 5,80 m, qui est évidemment le minima olympique pour se qualifier à Tokyo. Aujourd'hui, bon, un petit peu de fatigue, hein. Il a laissé quelques plumes en début de concours avec pas mal de sauts sur les barres inférieures, donc c'était pas facile aujourd'hui. I imagine your main objective is Tokyo and make the British team. Yeah, definitely. That's been like my goal leading into this year, so obviously everything is focused around that. I've got maybe 4 or 5 indoor comps, and then yeah, everything's just focused on Tokyo after that. Alors évidemment, je vais en faire encore quelques sorties en salle, et ensuite l'objectif, bien sûr, ça sera de sauter en plein air pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Ça sera mon principal objectif. Can you remind me your age? 23. So. Un athlète de 23 ans, imagine, avec énormément d'ambition qu'on espère voir du côté de Tokyo cet été. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.